Des quatre ex-otages ont braqué les projecteurs sur les Français partis soutenir les groupes djihadistes en Syrie. D'après nos confrères journalistes, certains de leurs anciens geôliers parlaient très bien le français. Alors que le nombre de ces combattants volontaires s'est multiplié ces derniers mois, le ministre de l'Intérieur prépare un plan contre les filières djihadistes. Bernard Cazeneuve doit le présenter demain en Conseil des ministres. Il comprend plus d'une vingtaine de mesures. Sophie Béchir. En janvier dernier, ils étaient 250 Français à rejoindre les rangs du djihad en Syrie. Un exode massif que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, veut endiguer grâce à une série de mesures qu'il dévoilera dès demain. Parmi elles, la surveillance renforcée du cyberdjihadisme, une porte d'entrée vers la radicalisation pour de nombreux jeunes enrôlés dans les milices islamistes qui luttent contre le régime de Bachar al-Assad. Des jeunes fragiles et rapidement sous influence dont il faut guetter les moindres signes de radicalisation. C'est l'objet d'une autre mesure phare de ce projet, permettre aux parents d'alerter les autorités en cas de crainte ou de soupçon. Un centre de prise en charge de ces cas particuliers devrait d'ailleurs être mis en place. Une surveillance renforcée pour les mineurs qui ne pourront plus quitter le territoire sans autorisation parentale. Et face à la menace terroriste que présentent ces nouveaux djihadistes, un important système de signalement et de traçage sera mis en place à l'échelle européenne, notamment dans les aéroports. Un système qui reste à améliorer, car de nombreux jeunes gagnent la Syrie en passant en bus par la frontière turque.